Ligue départementale de football de Brazzaville, réunie en assemblée générale ordinaire ce mercredi 23 février 2022 à Brazzaville, sous la présidence de Yves Koumou, représentant le maire de Brazzaville, les membres de cette ligue ont examiné et adopté 10 points inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels le rapport financier exercice 2021, le budget exercice 2022. Adopté avec acclamation le procès verbal de la dernière Assemblée générale ordinaire du 24 février 2021. Adopté le rapport d'activité 2021. Pris acte des rapports d'activité présentés par le président Dessouli. Adopté le rapport financier exercice 2021. Adopté le budget exercice 2022. L'examen des différents points inscrits à l'ordre du jour étant épuisé, les délégués ont suggérer que le président de Soulig soit représenté dans l'organisation des compétitions départementales des Jeux. La locution du président de la Ligue départementale de football de Brazzaville, inscrite aussi à l'ordre du jour de cette réunion. Destin Miguel Mpouni a salué la Ligue qui, selon lui, a amélioré son image en 2021 malgré les difficultés. Le président de la Ligue a saisi cette occasion pour fixer le cap de la saison sportive 2021-2022. Malgré les difficultés, la Ligue a, au cours de la saison écoulée, amélioré son image et a organisé des compétitions, notamment celle d'élite avec la division 1, la division 2, celle des jeunes avec les U15, les U12 et les U9, et un tournoi de mise en jambe des équipes de football féminin de Brazzaville. Aussi, pour cette saison sportive 2021-2022, la Ligue souhaite démarrer ses compétitions le plus tôt possible, produire des licences des joueurs et des officiels, organiser les compétitions des jeunes dès le début des vacances. Pour cela, les sous-ligues doivent organiser leurs compétitions d'ici fin juin 2022. Renforcer les effectifs des corps de métier, obtenir des sélections départementales par catégorie, rechercher et consolider l'adhésion des sponsors et partenaires, et enfin relancer l'organisation de la Coupe de la Ville avec les équipes de Brazzaville évoluant dans les championnats d'élite de la Ligue de foot et celle de la Ligue départementale de Brazzaville. Ouvrant et clôturant les travaux de cette Assemblée générale ordinaire de la Ligue départementale de football de la capitale congolaise, le représentant du maire de Brazzaville a félicité les participants pour les résultats obtenus au cours des travaux avant de les exhorter au respect des décisions prises. Au nom du président du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville, que j'ai l'honneur de représenter, je vous adresse mes sincères félicitations pour les débats fructueux qui ont permis d'atteindre le résultat probant. Je vous exhorte non seulement à respecter les décisions prises sportivement, mais aussi à veiller scrupuleusement à l'application des décisions qui ont été prises au cours de ces assises, afin de garantir le succès de l'action de la Ligue. Signalons que le président Destin Miguel Mpouni, dans son mot, a stigmatisé les comportements des présidents de sous-ligues qui ne font pas des efforts pour s'améliorer et pour éviter les conflits d'intérêts, freinant ainsi la bonne marche des activités footballistiques de leur arrondissement.